Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour les produits thermiques. Donc, comme à chaque fois, quand mon panier est rempli, je vous montre et je jette. Sauf que là, il y a beaucoup des grosses pièces. Donc, il n'y a peut-être pas tant que ça. Je ne sais plus. Je vais voir. Donc, on va commencer. J'ai terminé des colos. Bien évidemment, alors la Saios pour les faire mes racines en Cosmic Blue. Je crois que vous savez maintenant que je n'utilise que celle-là ou la noire intense. Les décolorations Saios, donc je vous remets la vidéo quand Amy a fait mes cheveux, je vous la remets en barre d'infos. Voilà, on en a terminé deux, mais voilà. J'ai terminé, je crois qu'il doit y avoir deux boîtes. Enfin bref, les Ashwagandha Forte de chez Orca. Donc moi j'ai trouvé ça sur le site de Creutzvat. J'avais commandé en 2 plus 1 gratuit. Je suis en train de terminer ma troisième boîte. Et j'ai beaucoup aimé ce produit. Donc ça je rachèterai. Sauf que je pense que je ferai un traitement un mois. Enfin juste d'un mois, un mois et demi. Ou peut-être 2 mois. Parce que le troisième mois j'ai l'impression que l'effet est un peu moins présent. Je verrai le mois prochain quand j'aurai terminé, quand je ne les prendrai plus. À pas apprendre sur le long terme, je pense que ça fera moins effet. Mais faire une petite cure d'un mois, un mois sur deux par exemple, ou un mois sur trois, ça peut être sympa. Donc oui, ça je rachèterai dès qu'il y aura de nouveau une promo. Alors les masques, bien sûr, on prend en dernier parce que il y en a un. J'ai terminé un masque pour les cheveux. Les cheveux de chez Action à la banane. J'ai adoré ce masque. Voilà, il sent la banane. Après, j'adore l'odeur de la banane. Oh, il sent vraiment bon la banane. Hein. Je sentais la banane. Je vais vous montrer. Je sentais vraiment la banane en sortant de ma douche. Donc celui-là, oui, éventuellement, si je le retrouve, je peux le racheter. J'ai terminé le shampoing et l'après-shampoing à la banane de chez The Body Shop. C'est Nico qui me l'avait envoyé. Enfin, qui me les avait envoyés dans le big lot qu'il m'avait envoyé à Noël. J'ai beaucoup aimé l'odeur, sauf que celui de chez Action a exactement la même. Les packagings sont vraiment pas pratiques, mais alors vraiment pas pratiques. Le conditionneur, moi j'en utilise pas en règle générale. Là je l'ai utilisé, mais alors je vous raconte pas comment je sentais la banane en sortant de ma douche. Et par contre, si vous voulez un bon shampoing qui fait dégorger à mort la colo, je vous les conseille. J'étais bleue, l'eau elle coulait. Des masques. Ah, voilà la deuxième boîte des Ashwagandha. Alors, j'ai terminé une eau de rose de chez Action. Il y en a quasi à chaque fois au moins une. Donc, oui, ça je rachète en boucle. J'ai déjà plus de place. J'ai terminé l'huile pour les cheveux. Alors, il reste vraiment un tout petit fond, mais j'arrive plus à le pomper. Il faut que je le transfère dans... Mais je l'avais fait, en plus. Enfin, bref. Je vais essayer de bien le remettre dans le mien. Le Gliss Cure Everyday Oil Elixir. Donc, Manon me l'avait donné quand j'étais tombée à court d'huile et que plus moyen d'en trouver en magasin. C'était pour cheveux secs à l'argan oil et à la vitamine E, souplesse et éclat. J'ai beaucoup aimé cette huile. Après, il y en a des beaucoup moins chers chez Action ou encore limite les Garnier et tout ça. Mais là, je pense que c'est un petit format parce que 75 ml, je trouve ça un peu petit. Mais elle a duré super, super longtemps. Donc voilà, j'étais bien contente. Elle m'a donné aussi une Garnier, je crois. Il me semble que j'ai une Garnier là que celle qui m'a donné. Masque. J'ai terminé un biphasé Alvira, donc toujours de chez Action. Donc oui, ça je rachète. J'en ai en backup, hein, no stress. Mais je rachète au fur et à mesure. On va continuer dans le démaquillant. J'ai terminé plusieurs petits pots comme ça. Voilà, j'en ai terminé 3 sur 4. C'était un cadeau de Noël de Manon. C'est des mini, hein, je ne sais pas la quantité. Je crois pas que c'est noté. Ou alors je ne sais pas lire. 7 ml. Ils ont chacun une odeur différente. Il y a encore le violet que je vais utiliser à partir d'aujourd'hui.
J'aime bien, les odeurs sont bien, le baume est assez crémeux, sauf que bah, il me trouble la vue. Voilà, donc, et puis c'est pas donné, je crois. Donc forcément, je rachèterai pas. Je préfère largement le The Body Shop ou maintenant le Beauty Bay. Voilà, mais j'étais bien contente de les tester. Et en plus, c'est pratique si vous voyagez souvent, que vous voulez un beurre démaquillant sans devoir prendre un gros pot. C'est hyper pratique. Alors, qu'est-ce que j'ai encore terminé? Cheveux, ah bah, baume démaquillant, du coup, j'ai terminé un Beauty Bay. Donc ça, oui, j'en ai deux, je crois, en backup. Il y a juste vraiment les bords qui sont plus friables. Ça fait une pâte un peu plus dure que d'habitude, et même en la mouillant, ça fait des gros morceaux. Donc voilà, mais ça dure une blinde. Hein. Ça, franchement, je l'ai utilisé un bon moment. Il y a 90 ml en même temps dedans, donc je valide à 10 000%. Nettoyant pour le visage. Alors, c'est le Overnight Jelly Mask Vegan de chez Catrice Clean ID. Pour les peaux sensibles, nos particules de microplastique et pas de silicone. C'était Manon qui nous l'avait mis dans le swap, je crois, en petit goodies. Je ne les mets pas en masque à proprement parler parce que c'est un overnight jelly masque, donc vous pouviez le mettre poser toute la nuit, mais je trouvais qu'il était très gélatineux et très collant, donc pour dormir c'était juste pas possible. Mais vous pouvez l'utiliser aussi comme masque de lavage, laisser agir pendant 10 minutes et rincer à l'eau. Donc j'utilisais comme ça sous ma douche. Je commençais ma douche en l'appliquant et je terminais ma douche en l'enlevant. Et c'était très bien, ça nettoyait vraiment la peau en profondeur, mais je ne le rachèterai pas pour autant. Toujours sous la douche, j'ai terminé de chez Rituals la mousse de douche Ritual of Jing. Donc celui-ci, il est au lotus sacré et au jujube. Et j'ai adoré l'odeur. Voilà, gros coup de cœur sur l'odeur de celui-là. Je suis contente. Je vais pouvoir bientôt en ressortir une. J'essaie de finir mon jet de douche à la banane de chez Action d'abord. J'essaie de ne pas en trop entamer. Oui. Les garçons ont terminé le parfum Nox. Alors c'est le 246. Je ne sais plus, ça doit être le Cocorico. Je ne sais pas. Comme ça de mémoire, je ne sais plus, mais je vous le note. Je crois que c'est celui que je leur ai repris. J'ai dû leur reprendre tellement ils l'aiment. Donc voilà, ils adorent les parfums Nox. Ils sont enchantés à chaque fois que j'ai un partenariat avec eux parce que comme moi j'en ai 4, 5, j'ai largement assez pour 10 ans là au moins, voire même plus. Donc du coup, souvent je leur demande parce que se parfument tous les jours, voire 2-3 fois par jour. C'est des ados, hein. Donc ils sont bien contents quand je peux avoir des parfums pour eux. Donc vous avez mon code promo qui s'affiche. Voilà. J'ai terminé des vitamines My Hair Gummies de chez Creutzwaldt. Voilà, c'était juste pour le fun et parce que c'était des petits lapinots. Et on voit ici. Voilà, c'était des petits lapinots. Alors le goût était super bon, c'était au berry. J'ai pas vraiment besoin de vitamines pour la pousse des cheveux parce qu'ils poussent déjà à une vitesse incroyable et ils sont déjà très longs. Mais de temps en temps, pour leur donner un petit coup de fouet. Santé, j'aime bien faire une petite cure. Alors j'ai beaucoup aimé le goût, l'effet, j'ai pas vu grand chose, mais la texture est assez bizarre. C'est très friable aussi en bouche, donc ça je rachèterai pas. J'aimerais bien tester ceux qu'on connaît, comment est-ce qu'ils s'appellent là, les plus connus, ou alors ceux de chez Révolution. Révolution a sorti aussi toute une gamme de gummies vitamines. J'ai envie de tester, on verra bien. J'ai terminé une colo Peacock Blue quand Amy a fait mes cheveux. Voilà, donc ça oui, je rachète. Là, j'ai encore les Manic Panic, la moitié de chaque pot pour la repigmentation de la prochaine fois. Donc je ne suis pas prête d'en réutiliser, mais j'en ai encore en stock toute une volée. Vitamine de A à Z Complete Multi AZ. Donc pour la résistance, ils font un peu tout. Il y a 24 vitamines et minéraux importants dedans, toujours de chez Creutzwaldt. J'adore les vitamines de chez Creutzwaldt. Si vous êtes belge ou que vous avez accès à Creutzwaldt, je vous les conseille à 1000%.
elles sont pas chères et c'est des bonnes vitamines. Elles sont vraiment très complètes. Donc voilà, normalement c'est une cure de 2 mois. Hein. C'est un comprimé par jour. Il y a 60 tablettes dedans. Sauf que je crois que ça fait au moins 6 mois que je l'ai. Mais voilà, là j'ai quand même terminé ma boîte au maximum. J'ai terminé de chez Ask le kératine protéine. Ryan! Spray sans rinçage 5 en 1, lisse et protège. 175 ml, j'avais acheté sur Maki Beauty. Et c'est le genre de marque et de produit que j'adore acheter. En plus, il sentait bon, de mémoire. Ouais, il sent un peu la grenadine. Je sais pas, il sent bon. Oui, il sent bon, je trouve. Donc voilà, j'ai bien aimé. Ça, c'est le genre de produit que je mets tous les jours, une ou deux fois par jour. Surtout pour mes bébés cheveux, qui sont très chiants. Mais je peux éventuellement racheter celui-là. En spray, j'ai terminé le Coaching Clouds Hydrating Milky Face Mist 55 ml de chez Essence. Donc c'était une collection limitée. Voilà, j'ai bien aimé. C'est le genre de petit truc totalement inutile vu que je mets beaucoup de produits hydratants. Mais j'aime bien. Voilà, c'est apaisant. J'aime bien me spritcher la tronche. Voilà. Donc je ne rachèterai pas celui-là, mais j'en ai un autre là pour l'instant de Hello Good Stuff. Donc toujours de chez Essence. Et j'en rachète à chaque fois qu'ils en sortent. Alors que c'est pas totalement utile. J'ai terminé hier soir le Energy Superfruit plus Protection Sérum de chez Catrice. Acai Goji Vitamine E et Blue Light Protection. Je sais pas si c'est vraiment utile le Blue Light Protection, mais il était hydratant et agréable à utiliser. Je ne rachèterai pas parce que j'ai toute une chier de sérum Essence et Catrice, mais que j'achète à chaque fois qu'ils en sortent un nouveau. Mais je ne rachèterai pas celui-là. J'en ai plein d'autres à utiliser. J'ai terminé le lait pour le corps, body lotion, lait corporel, Sparkle Everywhere, She Goes. Enfin, c'était du petit calendrier de la Vantine Kerbel que Manon nous avait trouvé chez Aldi. Ils sont divinement bons. Mais alors, c'était que des mini formats, ça revenait cher. Il était hydratant, voilà, sans plus, mais c'est une vraie chérie aussi pour sortir le produit. Donc ça, de toute façon, Duffy, je ne rachèterai pas. Mais j'ai vu que c'était parfum coquelicot. Donc c'est chez Mad Beauty. Hein. Donc si je retrouve des produits au coquelicot, je peux éventuellement craquer. J'ai terminé, et j'ai envie de dire enfin, parce qu'il m'a duré. Je ne sais pas combien de temps, mais très longtemps. Le masque pour les sourcils de chez Révolution, donc dans la gamme Réhab. Voilà, j'ai bien aimé l'utiliser. C'était gag. Enfin, gag. Puis voilà, je mettais une couche assez épaisse pour la nuit, pour bien les hydrater. Surtout quand je voulais plaquer au savon ou des choses comme ça les agresse un peu plus. Donc voilà, je me faisais de temps en temps un petit masque de nuit sur mes sourcils, mais ça a duré une blinde, le bazar. Il y avait 12 grammes dedans, c'était Manon qui m'avait offert. J'ai terminé le lip mask à la fraise de chez W7. Donc c'est mon préféré. Je l'ai en backup. Et oui, dès que je l'ai plus, je le rachèterai. Je continue avec les soins. Hein. Après, il y a un tout petit peu de make-up. Mais... J'ai terminé le sérum contour des yeux Intense Lifting Age Revive de chez Revuel. Donc pareil, hein, ça j'achète sur Maki Beauty. Je ne le rachèterai pas, il n'a rien fait de spécial, mais voilà, c'était un petit contour des yeux liftant, soi-disant. J'ai terminé également le Boost Eye Serum au bakuchiol de chez Catrice, le Youth. Celui-là était pas mal, donc le bakuchiol c'est une alternative naturelle au rétinol. Maintenant, je pense qu'il y en a qui font beaucoup plus effet que celui-ci. Il est très 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 liquide, donc faites attention. Moi, la première fois, j'en avais plein les mains. La première fois que j'appuie dessus, comme une grosse cocotte, j'appuie, 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 et j'en ai eu plein les mains. Je jette les petits produits. Ils sont carrément moisis et périmés de mon ancien truc pour mes cils, le rehaussement de cils, mais j'ai déjà racheté. Voilà, donc voilà. Je jette, d'ailleurs j'ai presque terminé la colle duo, mais je crois qu'elle est foutue parce que quand je l'utilise, j'attrape des
des plaques et des gros boutons partout où je l'ai collé pour mettre un strass. Mais je me suis rendu compte, du coup, j'ai sorti la Queen Tarzi. J'avais acheté la Queen Tarzi parce qu'elle était moins chère que la Duo. Ça m'a fait la même chose. En fait, quand je colle des strass ici, si j'utilise pas la colle essence, j'attrape des gros jetards là. Affreux. Je jette mes 4 liners. Il y en a qu'un que je jette pas parce que j'ai pas retrouvé l'alternative. Mes liners pailletés, focale allure parce qu'ils sont tout secs et je suis tellement au bout que j'arrive plus à prélever des paillettes. Je les ai déjà rachetés, ils sont tout neufs. Je vais pouvoir refaire mes muses avec. Mais voilà, ils craquellent, le fond craquelle. Ils sont quasi vides. Hein. Le rose, il me reste ça dedans. Donc vous voyez, je les ai bien tannés, hein, tous. Hein. Il n'y a que le dernier que j'ai pas réussi à racheter, donc celui-là, comme c'est mon préféré, je l'ai pas acheté. Voilà, et on peut passer donc au masque rapidement, hein, puisque c'est quasi tous de chez Action. Attendez, je fais de la place. Donc d'abord, j'en ai fini quelques-uns pour les yeux. J'en ai fini deux, puisque les autres, c'est dans des grosses boîtes. J'ai fini ceux de chez Essence. Pareil, c'était les nouveaux. Voilà, je les ai bien aimés, sauf qu'ils sont tellement épais qu'ils sont un peu lourds et du coup, ils tiennent pas très bien. J'ai terminé celui-ci de chez Youty que j'avais acheté chez DM quand j'avais été. J'en avais acheté plusieurs, c'était mon dernier. Et ceux-là, je les aime vraiment beaucoup. Ils étaient à moins d'un euro en plus, je crois, ou un euro. Donc ça, si un jour je retourne chez DM, je rachète. Alors, est-ce que j'en ai qui ne sont pas de chez Action? Attendez, hein, on va faire dans l'ordre. Hein. Ça, c'est pas Action. Ça, c'est pas Action. Action, 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 Action. Alors, j'ai terminé. C'est le dernier que j'ai fait. Je suis de chez W7 au Coffee. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Il était pas extravagant, mais j'ai beaucoup aimé. Contient du café, du collagène, de l'acide hyaluronique et witch hazel. Hazel, c'est noisette. Witch, c'est quoi? Bref, il était pas mal. Celui de chez The Body Shop à la vitamine C, j'ai bien aimé. C'était pour l'éclat. Voilà. Hydratant. Masque tissu. C'est pas écrit en franquet? Il y a du Camus dedans. Je sais pas trop. Mais voilà, c'était pas mal. C'était Nico qui me l'avait envoyé. J'ai bien aimé. J'ai fait celui de Yoda de chez Mad Beauty. Donc, Mad Beauty, ils sont un peu chers, les masques. Ils sont pas non plus extrêmement chers. C'était au concombre. Je ressemblais pas du tout à Yoda. On aurait limite cru Shrek ou le Grinch. Un que Manon m'a envoyé et je les adore. Ceux-là, franchement, je pense que c'est mes préférés. Je vais les racheter. J'en avais eu deux, je crois. Et j'adore les masques de chez W7 avec le sérum. Donc, vous appliquez d'abord votre sérum et ensuite le masque qui est divisé en deux. Donc, ils tiennent super bien et ils ont une texture en gel comme les patchs pour les yeux. Et c'est génial et super hydratant et pas bien cher. Donc, ça. Prochaine fois que je les trouve, je m'en commande une razzia. Et pour finir avec de chez Action, j'ai fini celui au cactus. Voilà. Je les adore beaucoup, les petits arrondis. Là, je crois que j'en ai plus, mais il faut que j'aille. J'ai plus beaucoup de masques, il faut que j'aille me les acheter. Suis au blanc d'œuf. Suis au charcoal et au sel de mer. Les deux de la gamme là, Beauty, là, un avec les petits cocktails et l'autre avec les petits produits de beauté. Selfie Queen, c'était tout pour moi. Celui, le petit panda, il y avait du périlla dedans, donc de la feuille de périlla. J'aime pas trop l'odeur, mais voilà, c'était un petit panda, donc je l'avais acheté. Le cendrillon que j'avais eu de Manon et celui à la camomille, ceux-là aussi je les aime beaucoup. Ces petits masques-là. Et c'était donc le dernier produit. Donc voilà, dites-moi en commentaire s'il y a des produits que vous, dans ceux que je vous ai présentés, que vous aimez. Il n'y en a pas beaucoup, je ne rachèterai pas quand même, mais il faut que je me calme un peu avec les achats. Je dis ça, mais j'attends la paye. Oh, voilà, il faut que j'aille racheter des masques chez Action. Par contre, j'en ai plus beaucoup d'avance et vous connaissez mon addiction pour le backup.
Donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, moi je vous dis bisous bisous.